Tu voulais faire quoi? Généralement le volume n'a pas parlé. Mais arrête complètement. Bon appétit. Comment tu trouves la Ricola? Mais je t'ai dit qu'il serait bon, non? Je t'ai dit que ça allait être bon. Tu as goûté la bouillie? Mais tu finis pas le haricot. On va regarder tout à l'heure. Mais chérie, tu n'as même pas goûté la bouillie. Tu dois boire moins la bouillie, ok? Mais tu vas où? Moi, je vais aller me baigner là. Chérie, non, s'il te plaît, finis de baigner là au moins. Je t'en prie. Je t'en prie. Arrange le verre. Tu vas le renverser. Tu es trop mince, il faut que tu manges, ok? Papa, je transpire. Oui, bon, mais finis d'abord, chérie. Je me lave. Oui, dès que tu finis, tu vas te laver, ok? Garico, comment tu l'as trouvé? Bien. D'accord. Et la bouillie, tu n'as pas bu? Prends un peu de bouillie, alors. Juste un peu goûter. Mais tu peux encore goûter un peu, c'est pas bon? Tu n'aimes pas? Tu dis? Tu sais, tu dois bien manger pour prendre un peu de poids, tu vois. Mais j'ai encore un peu mal au ventre. Pourquoi? Bon. Prends ma tête. Dans le mouchoir. Je finis ça et là je vais ouvrir. Hein? Tu dis? On demande si tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui. Oui, je suis pas allé à l'école. Pourquoi? Parce que je suis en congé. Ouais. Mais moi, je peux mes vacances arriver. On va se battre pour te faire le passeport, ok? Pourquoi les vacances ne viennent pas? C'est bientôt, les vacances. On est au mois de mai déjà, bientôt mai, juin, juillet, août. Hein? Mai, juin, juillet. Mais chérie, c'est dans 2 mois. Tu vas en vacances dans 2 mois seulement. Dans 60 jours, tu seras en vacances. C'est dans 60 jours. C'est dans la fin d'année. C'est la fin d'année. Tu vois? Donc bientôt, l'école sera finie. Ciao, ciao, ami. Je viens voir. Hein? Ok, d'accord. Ça, c'est bien. Tu dis? 60, c'est beaucoup. Non, 60, c'est 2 mois seulement. 2 mois, les mois sont vraiment beaucoup. Oui, mais le temps passe vite, tu sais. Tu sais, c'est dernièrement que tu as commencé l'école et là, bientôt, ça va finir. Et donc, le temps passe tellement vite. Je veux encore être un petit bébé. Je veux encore être un petit bébé. Tu veux devenir bébé? Pourquoi? Hein? Tu n'aimes pas être grand? Tu n'aimes pas l'école? Tu as dit quoi? Tu n'aimes pas l'école? Tu blagues ou quoi? Mais tu sais que moi, c'est l'école qui m'a aidé dans ma vie. Tu comprends ça? Toi, tu as un père, un papa qui te paye l'école. Moi, ma mère, elle m'a payé l'école jusqu'en 6e. Et puis mon père, il a payé en 5e. Et jusqu'à l'université, c'est moi-même qui ai payé. Moi-même, je travaillais pour payer mon école, tu vois. J'allais en brousse couper le bois et j'allais vendre le bois au marché.
Et parfois, quand je coupais le bois en brousse, il y a le scorpion qui tombait des écorces des arbres. Et j'esquivais. Parce que quand le scorpion te pique, tu peux même mourir. Hein. Donc j'ai souffert comme ça, je vendais les mangues. Tu veux dire quoi? C'est quoi le scorpion? C'est une sale bestiole. Tu vois, ça a la queue fourchue comme ça, avec une aiguille. Quand ça te pique, tchac, tu peux même mourir. Alors j'allais en brousse, où il y avait les serpents et tout. Mais je coupais le bois là-bas. Et j'ai rentré vendre le bois moi-même parce que personne ne payait mon école à cette époque. Donc j'ai payé l'école. Oui, bon, à l'époque, mémé, c'était un peu difficile sur elle déjà. Et elle avait fait ce qu'elle avait fait parce qu'elle a beaucoup souffert pour moi, tu vois. Mémé a sacrifié toute sa vie pour m'éduquer. Et éduquer maman Aïcha aussi. Mon papa, c'était qui? Mon papa, il s'appelait Amadou Ousseini. Ousseini, Amadou. Il était à Garo, mais il est mort depuis. Hein. Ton papa, il est arabe. Il est Fulbe. Il est Fulani. Non, monsieur le Fulbe, c'est le papa. Mais je le connais, Fulbe. Oui, il est musulman. Il était musulman, tu vois. Et je pense qu'il faut que tu apprennes la langue de papa. On a te parlé de Fulbe. Non, Djamna. Djamna. War, ça veut dire quoi? Non, war ça veut dire bien. C'est Djamna veut dire comment tu vas. Tu vois. Donc mon papa, lui, il est mort très vite. Hein. Donc il est mort vite. Il était malade. Il était malade. Bon, quand il est mort, moi, j'étais pas là. J'ai appris juste qu'il était mort, tu vois. Et ça m'a beaucoup fait mal. Mais tu veux partir? Bon, mais mon père, lui, m'avait chassé parce que comme j'étais musulman, je suis devenu chrétien, tu vois. Les musulmans n'acceptent pas que leurs enfants deviennent chrétiens, qui servent le Seigneur Jésus. Donc, il m'avait chassé et je suis parti. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone et où j'étais, il n'y avait même pas de lumière. Donc, quand il est mort, je n'ai pas su, c'est longtemps après que j'ai appris qu'il était mort. Mais quand je suis allé, il était déjà enterré, le deuil était passé depuis longtemps, tu vois. Papa, Donc les musulmans n'aiment pas Dieu? Non, les musulmans, eux, ils n'aiment pas quand leurs enfants deviennent chrétiens. Pourquoi? Je sais pas, ils n'aiment pas. Tu vas rester musulman comme ça, tu vas musulman. Non, il fallait que j'accepte Jésus, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu vois, avec Jésus, on a la vie éternelle. Aujourd'hui, je suis sauvé. Mais nous, musulmans, on adore Jésus. Non, les musulmans n'adorent pas Jésus. Ils adorent quelqu'un d'autre. Tu vois? Ils n'adorent pas Jésus. Ils n'ont pas la révélation de Jésus, c'est pour ça. Moi, je voulais adorer Jésus, tu vois? Donc, il fallait que j'adore Jésus. C'est pour ça que moi, je suis devenu chrétien. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur sauveur personnel. Parce que la Bible dit que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ne sera pas sauvé. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ d'abord. C'est obligatoire. Ça veut dire que ton père est mort. Dieu l'a puni. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a puni, mais c'est seulement qu'il est mort. Mais il est mort sans Jésus. Et tu vois, lorsque quelqu'un n'a pas Jésus et qu'il meurt, il ne verra pas Dieu. Il part en enfer. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il a accepté Jésus sans que je ne sache, mais je sais pas, chérie. Je sais pas. Mais elle aussi, elle est devenue chrétienne. Oui, elle est devenue chrétienne et son mari l'a chassée parce qu'elle est devenue chrétienne. Donc tu es partie avec ta mère. Oui. Et on a beaucoup souffert, tu vois. Toi, tu es née aujourd'hui, tu as mangé le matin, tu vas à l'école, on te porte dans la voiture. Moi, c'était pas ça. Moi, je n'avais jamais pris la voiture pour aller à l'école, tu comprends ça? Moi, je marchais à l'école, je partais à pied toujours. Et je suis de longue. T'avais des chics. Oui, à ce moment, j'avais les chics aux pieds, tu vois. Quand on était enfant, tellement c'était difficile. J'avais les chics partout aux pieds. Mes pieds étaient palmés comme ceux du canard, tu vois. Donc, tu dois comprendre que, comme tu es aujourd'hui, papa s'est beaucoup sacrifié pour toi. Ça va. Tu pouvais quand même prier Dieu qu'il te donne du repos. Mais aujourd'hui, il m'a donné du repos. Pourquoi quand tu étais petit, tu n'as pas prié qu'il te donne du repos?
J'avais prié, mais il n'exauçait pas. Pourquoi? Mais c'était difficile, tu vois. Mais tu sais, moi, quand j'étais petit, je n'étais pas comme toi. Tu vois, c'était un peu compliqué. C'est très compliqué. Toi, aujourd'hui, tu vois, tu es bien, tu fréquentes dans une bonne école. Nous, on était dans le lycée, on fréquentait dans le lycée, on marchait à pied. Il fallait aller travailler chez les gens pour avoir l'argent, pour payer ma pension moi-même. Votre maîtresse partait avec quoi? Je sais pas, elle marchait aussi à pied, certainement. Ouais. J'ai beaucoup souffert dans la vie, tu vois. Votre maîtresse était noire ou blanche ou brune? Non, noire, elle était noire. Elle était noire. Tes camarades étaient... Il y a tes camarades qui étaient blancs? Non. Moi, je n'avais pas de blancs dans notre école. Les blancs ne pouvaient pas venir parce que notre école, il y avait beaucoup de chic là-bas, la poussière. C'était très sale et on était pauvres, tu vois. Et donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à me battre étant petit encore, tu vois. Et je partais à vendre, je faisais des travaux difficiles pour avoir un peu d'argent pour m'en sortir. Ta mère t'envoyait puiser de l'eau? Oui, j'allais puiser de l'eau. Je lavais la maison, je préparais la nourriture, je préparais le couscous, je préparais la sauce. Et les gens. Ah, c'est pour ça que c'est maintenant que tu connais. Ouais. Moi, personne m'a appris à préparer. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, quand on prépare, tu dois être à la cuisine toujours et tu dois voir comment on prépare. Donc voilà, je pense que tu dois dire merci à Dieu, tu vois. Tu dois dire merci à Dieu. Les parents souffrent beaucoup pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Tu comprends un peu ça? Nous, mes parents étaient petits. Hein? Nous, mes parents étaient petits. Tes parents? Ouais, j'étais aussi petit, ouais. Tout le monde était petit. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, tu sais, nous, on a beaucoup souffert. Les parents souffrent pour leurs enfants, tu vois, pour amener leurs enfants à l'école, pour que leurs enfants aient où dormir, que leurs enfants aient de quoi se revêtir, de quoi manger. Parfois, je dormais dehors, chérie. Je dormais en route, je n'avais personne, pas de maison où dormir, tu vois. Je souffrais, je passais des jours sans manger. Je passais comme ça, personne ne me donnait à manger pendant des années, pendant des jours, parfois des mois. C'est trop triste. Papa. Mais tu mangeais quand même un peu. C'était difficile, chérie. Parfois, j'avais 100 francs. Et 100 francs, ça ne pouvait pas me nourrir toute une journée. Donc, parfois, je jeûnais toute la journée. Et le soir, je partais chez maman là-bas à Litoua. C'est un quartier en bas là-bas. Et puis, j'achetais la patate avec les arachides grillés. Et je mangeais, je buvais l'eau. Et c'était tout, tu vois. C'était très dur pour moi. Mais j'avais décidé dans mon cœur que je me battrais pour que mes enfants ne souffrent pas comme j'ai souffert. Tu comprends ça? Donc c'est un peu ça. Tu comprends maintenant le sacrifice que les parents font pour leurs enfants? Quand tu seras parent, toi aussi un jour, tu feras le sacrifice pour tes enfants. C'est ça que tu dois fréquenter. Pour devenir une femme mature, une femme accomplie, tu dois avoir un très bon travail dans la vie, tu dois avoir gagné ta vie par toi-même déjà. Tu vois ça? Tu dois être une femme indépendante, quoi. Pourquoi tu dis toujours que je suis comme un mot? Et quand je fais une bêtise et que je regarde et je dis désolé. Et bien, bah, elle était comme ça aussi. C'est son caractère que tu as gardé, quoi. Parce que je vous aime. Donc, tu es très, très humble. Tu vois? Tu es très humble. Tu sais demander pardon. Tu es très gentil. Tu es très sensible. Et tu aimes beaucoup les gens. Ça, ce sont tes qualités, tu vois. Oui, tu es quelqu'un de très bien. Mais parfois, tu fais quand même des bêtises. Oui, tu fais des bêtises parce que c'est ton âge, tu vois. Ça arrive. Voilà, je ne peux pas savoir. Je n'étais pas là quand elle était petite, tu vois. Bon. Toi, je faisais des bêtises. Ah, moi, je faisais de grosses bêtises, alors, moi. C'était terrible. Mais c'est comment? Ah, parfois. Et si tu sais que parfois, je fuyais la maison. Je ne dormais pas à la maison. Et ma mère, elle me cherchait partout. Et elle me cherchait dans toute la ville. Elle ne me trouvait pas. Et je partais. Je tapais les enfants des autres, tu vois. Pourquoi? J'étais trop têtu, je t'assure.
Et après... Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Oui, il m'a pardonné. Et... Parce qu'il nous aime, tu vois. Dieu est notre Père. Quand on fait des bêtises, il nous pardonne. Et parfois, il tire aussi nos oreilles. Tu vois ça? Oui, parfois Dieu peut punir. Et moi, je suis puni de temps en temps, tu vois. Ouais. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Parfois, il me rendait malade. Ouais. Parfois, Dieu me punissait avec la maladie. Il me disait, bon, Ferdinand, mon fils, comme tu es têtu, tu seras malade. Je tombais gravement malade. Après, je pleurais. Après, il avait encore pitié de moi. Il disait, oh, mon fils, non, ça va, ça va. Tu avais quelle maladie? Parfois, bon, je n'allais pas trop à l'hôpital. Donc, parfois, j'étais paralysé. Ouais. Ouais. Une fois, je j'étais... Je ne veux pas que mon papa soit paralysé. Oui, j'étais paralysé parfois. J'étais paralysé pendant 9 mois. Tu vois? J'étais paralysé pendant 9 mois. Et le 9e mois, j'ai crié à Dieu, tu vois. Et la nuit, le Seigneur Jésus est venu la nuit pendant que je dormais dans ma chambre, avec un grand livre en main. Il m'a dit, Ferdinand, parce que tu m'as invoqué et que je ne t'ai pas répondu autant que toi tu voulais, tu t'es irrité contre l'Éternel, ton Dieu. Il m'a tendu le livre qu'il avait en main et il m'a dit, prends ce livre, lis le 40e chapitre du prophète Ésaïe. Quand je suis venu te guérir de ta maladie. Et la même nuit, j'étais guéri de ma maladie. Tu vois comment Dieu, il est bon? Tu vois, Dieu, il fait avec moi comme moi, je fais avec toi. Là, tu vois comment je fais avec toi? Parfois, quand tu fais des bêtises, je te punis. Parfois, il te dit de monter dans ta chambre et je t'enferme là-bas. Tu restes là même 10 minutes, 30 minutes. Comme ça te lave un peu là, le cerveau. Et après, je reviens toujours, je t'embrasse, je t'explique pourquoi je te punis. Dieu, c'est comme ça toujours, tu vois. Quand on fait des bêtises, il nous punit aussi. Comment voilà. t'as fait pour savoir qu'il t'a puni? Il m'avertissait. Il me disait, ok, comme tu as fait ça, je vais te punir, tu seras malade. Et quelques jours après, j'étais malade. Tu pouvais dire à Dieu, je ne vais plus faire ça, comme ça, tu n'aurais jamais de maladie, quand même. Oui, bon, mais tu sais, c'est quand, parce que moi, j'étais trop têtu, tu vois. Et donc, c'est quand la maladie me touchait que je disais, Seigneur, je te demande pardon, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire, Seigneur, pardonne-moi. Et alors, le Seigneur venait, il m'embrassait, il disait, mon fils, Ferdinand, ça va alors. Et il me guérissait. Ouais. De guérir avec quoi? Ah, il disait simplement la maladie de partir, et la maladie partait. Voilà, je sais pas, parfois j'étais paralysé, parfois un temps j'étais maigre comme un squelette, mon ventre était gros comme une femme enceinte parce que j'avais désobéi aux lois de l'Éternel, mon Dieu. Ouais. Mais après il m'a guéri toujours. Heureusement. Ouais, il est trop gentil, tu sais. Il punit, c'est mal. Hein? Ouais, il punit. Ouais. Mais il punit ceux qu'il aime. Hein. S'il ne t'aime pas, il ne te punira jamais. Si Dieu ne t'aime pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne dira rien du tout. Mais c'est l'enfer qui va t'attendre, tu vois. Mais quand Dieu t'aime, quand tu fais mal, il te punit toujours. Il te dit non, c'est pas bien. Il te fait des reproches. C'est comme ça. C'est la même chose avec les parents. Lorsqu'un parent aime un enfant, quand l'enfant fait mal, il le punit toujours. Quand je punis, est-ce que tu penses que je ne t'aime plus? Non, je pense pas ça. Pourquoi? Parce que tu as bien fait de me punir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les enfants sont toujours têtus. Ouais. Donc quand je te punis, tu ne te dis pas que ça veut dire que je ne t'aime plus. Hein. Moi, je pensais que quand je punissais, tu croyais que je suis un mauvais papa. Non. Je t'aime toujours. Mais si tu penses que je suis un mauvais papa? Non. Je suis comment? T'es un bon papa. Je dirais que ce n'est pas fini, pourquoi? Donc, malgré que je te punis, tu m'aimes toujours. D'accord, moi je t'aime, ok. Bon appétit, tu vois. J'ai réussi à te faire manger 2 beignets et à finir ton haricot. C'était un piège, petite. Ah.